suis rentré de l'école et en revenant avec ma maman de l'école, je suis tombé brutalement. Et là, elle croyait que je faisais du cinéma pour me faire porter. Et en fait, non, j'ai fait une hémiplégie gauche, hémiplégie faciale. Qu'en fait, en 1972, nous n'avions pas d'IRM ni de scanner. On ne pouvait pas savoir que c'était un AVC. J'avais des mouvements involontaires. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus me servir du bras gauche. C'est mon neurologue qui m'a envoyé vers un neurochirurgien en région parisienne, qui lui a fait des essais. Il y avait tout un staff médical, hein, des chercheurs. En fait, c'est des chercheurs. Il a fait des essais au niveau de la moelle épinière pour essayer de me faire remarcher. Cette intervention a eu lieu dans le cadre d'une étude biomédicale. Voilà, c'est un grand succès que nous n'attendions pas au niveau des mouvements normaux. Nous l'attendions au niveau de la douleur. Et c'est important de le signaler, puisqu'il y a eu 2-3 cas dans le monde qui ont montré un bénéfice également moteur. Cette technique de stimulation transcrânienne induit un effet bénéfique qui est transitoire, qui s'efface avec le temps et assez rapidement, de l'ordre de quelques jours ou de semaines. On enregistre cet effet positif, mais il disparaît. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un dispositif implanté qui permette d'avoir une stimulation chronique sur plusieurs jours, plusieurs mois, pour avoir un effet bénéfique.